David Hallyday, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver le circuit Paul Ricard. Toujours heureux de venir dans la région de toute manière. Alors si ma mémoire est bonne, vous avez tout piloté ici. Quelle voiture vous avez eu en main? Non, je n'ai pas tout piloté. La première voiture que j'ai pilotée ici, c'était le Speeder 905 Peugeot. À l'époque, je pilotais chez Danielson. C'est là que j'ai rencontré Stéphane Ortelli, qui pilotait aussi la même voiture dans le même team. Ça a été ma première fois. Mais quand j'étais tout petit, mon oncle louait une maison à côté à Saint-Cyr-les-Lacs et on venait souvent. Il faisait l'école de Formule 3 sur l'ancien circuit au Castellet. Donc, on va dire que je suis un habitué de la région. J'aime beaucoup venir ici. Vous trouvez que le circuit Paul Ricard a gardé son âme intacte malgré la modernisation? C'est pas la même époque oui et non, mais je veux dire, c'est normal que ça évolue, c'est normal que ça change, et puis c'est bien aussi les moyens techniques, le circuit est beaucoup plus sûr pour les pilotes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, le charme des années 70 et tout ça, c'est sûr que c'est autre chose aujourd'hui, quoi. On va dire c'était rock'n'roll. Ouais, c'est rock'n'roll aujourd'hui, mais d'une autre façon. Ouais, voilà. La renaissance du Grand Prix de France F1 ne fait pas oublier qu'il y a tout un tas de catégories. Vous courez en GT, en Porsche Carrera Cup, pourquoi? En fait, je suis venu, j'ai commencé en monoplace, j'ai fait quelques courses en F3. Et après, je me suis mis, en fait, l'idée que j'avais derrière ça, c'était de voir si je pouvais être suffisamment bon pour faire une fois les 24 heures du Mans dans ma vie. C'était un peu mon rêve. J'ai toujours été fan de Steve McQueen, Paul Newman et tout ça, donc ce sont été des acteurs quand même indélébiles du Mans. Donc, puis ils ont fait quand même des très beaux parcours en course, surtout Steve McQueen. Donc voilà, je me suis dit, donc j'ai commencé à faire du super tourisme, et ensuite j'ai commencé à faire du GT, le FIA GT. Ensuite j'ai arrêté la course pendant longtemps, puis j'ai repris avec Philippe Alliot. Et j'ai repris en 2001 championnat de France sur une Ferrari 360 Modena chez Jean-Michel Bourèche. Et puis on a gagné tous les deux. On a été champion de France en 2001. Et ensuite on a fondé notre propre écurie en GT, en FIA GT. On a fait tous les circuits européens. C'était un championnat vraiment magnifique. Il y avait beaucoup de très bonnes voitures, très bons teams. C'était très compétitif. Et c'est à l'époque où les voitures, il n'y avait pas vraiment de restrictions, donc ça allait très vite et il n'y avait que des beaux circuits. Donc, j'ai pu réaliser mon rêve la première fois en 2002 ou 2003, je crois, où j'ai fait mes premiers 24 heures du Mans. Et voilà, donc j'ai continué en GT. Puis la monoplace me manquait un petit peu, donc j'ai retâté un petit peu la monoplace, on va dire le sport proto. Aux 24 heures du Mans sur la C65 chez Yves Courage, la première LMP2 sortie. Et ensuite, j'ai remis un petit peu les pieds dedans en 2011 chez Oreca avec la 03. Et puis, voilà, mais le GT, ça a toujours été un petit peu mon... les sports d'endurance, ça a toujours été un petit peu mon dada, quoi. J'ai toujours aimé ça. Partager en plus la voiture avec d'autres pilotes, la relation avec le team, tout ça. Mais là, cette année, en Porsche Cup, je remets le pied à l'étrier et c'est vrai que le sprint, c'est assez sympa. Tu conduis plus, t'es seul dans la voiture, c'est quand même un autre état d'esprit qui me plaît aussi. Voilà, mais le GT reste quand même, on va dire, une voiture que j'aime piloter. Quoi. Justement, en regardant votre vie, votre carrière, on s'est dit, voilà un pilote qui aurait pu être encore plus pilote. Vous n'avez pas de regrets? Non. Non, des regrets? Non, j'ai fait des podiums, j'ai été champion de France. D'avoir plus poussé dans le pilotage? Non, parce que j'ai un métier que j'aime plus, en fait. Et puis après, c'est le temps qui me manque. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'en fait pas son métier, j'ai beaucoup conduit quand même. J'ai beaucoup conduit, beaucoup piloté. J'ai fait toutes sortes de championnats. J'ai conduit beaucoup de voitures. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont suivi toutes ces années. Non, je ne regrette rien. Au contraire, je suis très fier d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire. Ne, ne,
ne pilotant pas pour gagner ma vie, quoi. Non, j'ai fait beaucoup, beaucoup plus que certains. Voilà, vous êtes un pilote amateur très éclairé. Ouais, un pilote passionné. Ouais. Pour 2019, ouais. Porsche Carrera Cup France. Ouais. Et on entend parler un petit peu d'envie de Super Cup. Oui, c'est vrai que l'idée de refaire des circuits européens, d'en faire plus, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est toujours un peu plus exotique de se dire qu'on sort de chez soi, de son pays, pour aller courir sur des grands circuits comme Monza ou Nürburgring. C'est vraiment sympa. Et puis, il y a pas mal de voitures aussi, mais ça dépendra des partenariats que j'arrive à trouver. Et puis aussi, surtout le temps qui me sera laissé pour faire ça, parce que ça va être compliqué, je pense, l'année prochaine. Ça l'était déjà cette année. Donc je sais pas, je fais aucun plan sur la comète et le travail d'abord, et puis on verra après si je peux le faire.